moi-même, je vais parler avec nous. Et Mathilde, à nous tous, combat, c'est jeudi à combat commencer. Combat, c'est jeudi à combat commencer. Monsieur, on te dit nous, yon combat, retour combat. Yon te dit nous, yon pas fait back. Yon te dit nous, yon pas fait back. Yon te dit nous, pays, c'est pour nous seulement lié. Et bien, jeudi à nous venir devant votre groupe. Malheureusement, nous rendons compte que la police empêche nous arriver devant le local de votre groupe pour nous capables de délivrer le message que nous devons délivrer devant votre groupe. Jeudi à 5 août. C'est jour où nous démarrer la bataille contre Siro Libanais. Ils mettent ensemble qui assassiné Jovenel Moïse. Là, ils ont assassiné Jovenel Moïse. Ils ont assassiné les policiers. Ils ont assassiné les dirigeants. Ils ont assassiné les classes païennes. Ils ont fermé l'hôtel. Ils ont fermé l'école. Ils ont fermé l'université. Marche dans Sahara, ils n'ont pas la vie. Parce que la vie pour personne. Ils ont pris les policiers, nous. Yo pour inspecter la police tout, yo coupé pour y yo assassiné policier, personne ne va dire. Regardez, yo te dit nous, après Jovenel Moïse, yo fin assassiné Jovenel, Haïti a tourné Paris. Est-ce que Jovenel nous est Paris là? Yo te dit nous, les Jovenel allaient, Jovenel pas café, mais yo même yo café. Est-ce que nous est yo café Jovenel? Yo te dit nous, depuis Jovenel allé, kidnapping n'a pas fini. Est-ce que kidnapping n'a pas fini aujourd'hui? Est-ce que kidnapping n'a pas fini? Yo te dis nous, depuis Jovenel allé, insécurité a fini. Est-ce que insécurité a fini? Mais aujourd'hui, non, non, peuple haïtien, non, non, femme et garçon, non, non, Jovenel lien. Non, non, tout le monde qui est victime, les gens qui ne peuvent pas mener petit à l'hôpital, les gens qui ne peuvent pas prendre soin de famille, par rapport à l'insécurité. On nous dit nous tous ensemble, à pas kidnapping. On nous dit à pas kidnapping. À pas kidnapping. À pas violence. À pas violence. À pas qu'on coupe. À pas qu'on coupe. À pas qu'on coupe. À pas qu'on coupe. Nous m'en disons aujourd'hui. Bini. Bini. C'est une association de malfaiteurs. Nous lui demandons. Peuple haïtien, si nous besoin stabilité, si nous besoin sécurité, si nous besoin la paix, la tranquillité dans le pays, il faut mettre fini de dans le pays. Parce que l'intérêt, c'est stabilité. Il n'y a pas d'intérêt dans la stabilité. Nations Unies, pas d'intérêt dans la stabilité du pays. Ambassade Canada, pas d'intérêt dans stabilité pays. Les États-Unis, nous vous demandons, non, non, nous vous demandons, les États-Unis d'Amérique, pas nous chance, pas nous chance, nous demandons les États-Unis, pas les pays en chance. Les États-Unis, le Canada, nous dit non à kidnapping, à ciel ouvert, qui blaye sur tout le pays. Ils ont kidnappé ma chaîne de paquet, ils ont demandé 500 000 dollars américains. Ils ont kidnappé professeur, ils ont demandé 500 000 dollars américains. Ils ont kidnappé technicien, ils ont demandé 500 000 dollars américains. Ils ont kidnappé policier, nous tous connaissons des conditions difficiles. La police a travaillé pour établir stabilité la paix dans ce pays. Ils ont kidnappé les policiers et ils ont demandé 700 000 dollars américains. Je dis à nous demander Bini, nous demander les Nations Unies, nous demander trois pays, ça, la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique. Pas nous chance pour nous organiser le pays. Pas nous chance pour nous mettre stabilité dans le pays. Je dis à nous demander pour nous finir, nous demander M. Ariel Henry. La presse parlait, presse écrite, presse télévisée,
Ahmed Diaoli, qui n'est pas complice dans l'assassinat de Jovenel Moïse, mandé à Ariel Henry, côté joindre ampliation ça maintenant. Mandé à Ariel Henry, ampliation de la chambre Jovenel là, comment faire la même. Mandé à Ariel Henry, je dis à, il n'a pas gagné mandat, il n'a pas gagné mission, ça l'a fait dans la primature. Donc, il demande pour Ariel Henry, lâchez moi le cri, lâchez pied pour nous jouer un gouvernement qui est capable de rétablir la paix, la stabilité, la sécurité dans le pays, pour organiser le référendum, pour organiser, pour permettre à mon nouveau constitution, et puis pour faire le pays un président élu démocratiquement, pour nous capables de payer la dans la stabilité et la paix. Et nous finissons pour nous dire, Nations Unies, à travers où vous mettez fini là, dans nos comités 100% diaspora, qui aujourd'hui qui devant le Sénat. Sénat canadien, nous venons demander, puni, ou pas de mission, ou pas de mandat, ou pas de mission, travail au président, nous assassiner le président. Je dis à nous demander, des Nations Unies, la paix et la sécurité dans le pays. Merci.